Bonjour tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien avec Nasco. Bonsoir Nasco, comment vas-tu? Ça va bien, il est après son petit poisson, il est en train de le déguenier total. Et aujourd'hui les gens, je me suis dit, j'étais à la maison tranquillement, et pourquoi pas rester à la maison et faire un petit unboxing de Woodbox avec Nasco. Vous savez que tous les mois, on ouvre la Woodbox, comme d'habitude, voilà. Mais ce mois-ci, on n'a pas une Woodbox à ouvrir, mais bien deux Woodbox. Et oui, et pourquoi deux Woodbox? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y en a une, ça fait plus d'un mois que je l'ai. Et du coup, je ne l'ai pas ouverte, tout simplement parce que j'avais d'autres vidéos à faire. Nasco, si tu veux bien faire un petit bonjour à la caméra. Bonjour tout le monde, salut les abonnés. Ce petit garnement a fêté ses 3 mois il y a quelques jours. Et comme vous pouvez le constater, c'est un truc de fou. Ça fait quoi, 1 mois que je l'ai et il a déjà doublé de volume. C'est un truc de malade. Mais il n'y a pas que le chat qui a doublé de volume, il y a également ses bêtises. C'est pourquoi j'ai revêti un nouveau skin sur mon canapé, comme vous pouvez le constater. Alors je serai entièrement d'accord avec vous, c'est très moche, mais c'est la seule façon que j'ai trouvé pour sécure le canapé. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un petit peu ses griffes dessus. Donc je veux dire, au prix du canapé, j'ai dit non. Tu feras tes griffes ailleurs, mon vieux. Voilà, par exemple, sur ce petit poisson, tu peux le dégainer autant que tu veux si tu veux. Bon, par laquelle qu'on commence, Nasco? Celle de gauche ou celle de droite? Rien à foutre. Celle de gauche ou celle de droite? Je mets le poisson au milieu, tu choisis. Vas-y. Ouh, il est en train de renifler la première. Non, non, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Bon, ok. Bon, bah écoutez, il a chopé le poisson. Nasco, tu vas le casser. Tu vas le casser. Tu vas le casser. Bon, il a choisi celle-là. Eh ben, c'est très bien. Donc, là, les gens, il y en a une du mois dernier et il y en a une de ce mois-ci. Je ne sais pas laquelle est laquelle, tout simplement parce que j'en ai ouvert aucune des deux. Donc, ça se trouve, on va tomber sur celle du mois dernier. Comme ça se trouve, on va tomber sur la nouvelle. Toujours, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les gens, si vous kiffez les petits unboxings. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas que vous avez un petit code de promo pour la Woodbox qui est dans la description. Avec un petit lien, vous avez tout ça. Donc, on va ouvrir ça. Et comme d'habitude, on a un petit peu de paperasse dans la Woodbox. Tu veux rentrer dans la Woodbox? Ah bah tu vas te casser la gueule mon vieux. Tiens, je te le mets là. Voilà. Donc au niveau du thème les gens, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, mais en tout cas je vois qu'on a déjà une jolie casquette Pokémon. Et bah tiens, on va la mettre tout de suite. Voilà, comme ça on a l'air d'un vrai dresseur. Et je vois tout de suite qu'est-ce qu'on a là-dedans. On a bien sûr un pint, comme d'habitude dans la Woodbox, comme tous les mois. Et comme tous les mois, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit comme pint. Donc si ce pint vous dit quelque chose, eh bien n'hésitez pas à nous faire part de vos idées dans les commentaires. Mais moi en tout cas, j'en ai absolument aucune idée. Voilà, c'est un pint, il est bien joli, il est bien sympatoche et je vais tout de suite le remettre dans la boîte. Enfin, plutôt à côté. Et lui, il est complètement fou. Et toi t'es complètement fou. Hein. T'es complètement taré, mon pauvre chat. Hein. Alors maintenant, tu te calmes. Voilà, faut y chanter une petite berceuse pour qu'il se calme. Fais dodo, Nasco, mon petit chat. Fais dodo, t'auras tes croquettes. Papa est en bas, il nettoie ta litière. Maman est en haut, elle fait la vaisselle. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, j'ai mon petit chaton ça. Ah, j'ai mon petit chaton. Oui, j'ai mon petit chaton. Attaque! Ah, ça c'est un bon chat, ça, il est bien dressé celui-là, vous pouvez y aller. Bon, on va prendre, bien sûr. Est-ce qu'on ouvre celle-là, Nasco? Oui? Ouais, je sens qu'il est chaud pour ouvrir celle-là. Rien à foutre. Non, en fait, il en a rien à foutre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, messieurs, dames, j'ai l'impression que c'est la cabine de Dr. Wu. Ouais, en même temps, c'est marqué dessus. Alors, Dr. Wu, je ne connais absolument pas la licence, mais alors pas un brin, mon vieux. J'ai jamais vu un seul épisode. À ce qui paraît, c'est bien cool. Voilà, si vous voulez voir la cabine téléphonique, comment qu'elle est faite, en tout cas, elle est vraiment super stylée. Et moi, j'aime bien. Ça fait un petit peu cabine téléphonique de Londres et tout, Angleterre... Moi j'aime bien franchement, elle est cool, on va la mettre de côté. Alors bien sûr moi à chaque fois les figurines j'aime pas les ouvrir, j'aime bien les garder dans la boîte. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien les garder dans la boîte. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un collier d'Assassin's Creed Origins. Arrête tes conneries, jure. Un petit collier Assassin's Creed Origins, j'adore. Oui, il est content. Tiens, voilà, si tu veux aller dans la boîte, voilà, je te mets dans la boîte et je t'envoie par la poste. Voilà, qui veut un giveaway? Tu sors ton nez? Il aime bien se renfermer dans les boîtes. Et qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, nous avons un t-shirt Jurassic Park. Mais il est juste magnifique. Regardez bien, suivez, je vous fais un tour de magie. Vous avez jamais vu ça. Vous connaissez Gérard Majax? Attention, hop, 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 hop. Eh ouais, mon gars, magicien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Appelez-moi Gérard Majax. Ou bien David Copperfield, c'est comme vous voulez. On a ouvert la première Woodbox. Alors, mais attends, je sais même pas s'il s'agissait de celle du mois dernier ou bien de celle de ce mois-là. J'en ai absolument aucune idée, qu'est-ce que j'ai foutu des bouquins? Eh bien mars 2018, eh bien c'était celle de ce mois-ci, tiens.
Voilà, impeccable. Bon, bon, on va passer à celle du mois dernier. Hein. Voilà, si tu veux, tu peux te mettre dedans avec ton petit poisson. Voilà, oui, il est là, ton poisson. Tiens, je te le laisse. Je te mets ta canne à pêche dedans et je te le mets là. On va donc ouvrir la deuxième, messieurs, dames. Donc, celle du mois dernier. Eh oui. Et... ouh, bah attendez, je vous dirais que c'est quoi ça, c'est une écharpe. Eh ben mon vieux, j'ai la totale, j'ai l'écharpe, j'ai la casquette. C'est l'écharpe d'Harry Potter, ça, non? C'est l'écharpe de Serpentard, je crois bien, non? Slytherin, Hogwarts School. On va te saucissonner comme un saucisson. On regarde. Voilà, voilà, tu vas être saucissonné dans l'écharpe de Serpentard. Expelliarmus, Miaouminus! Hein? Oh là là, qu'est-ce que t'es fort pour les tours de magie, toi? Bon, eh bien, écoutez, je vais mettre ma petite écharpe de Serpentard. Alors là, on n'est pas du tout dans le thème, mon vieux. J'ai du Jurassic Park, du Harry Potter, du Pokémon sur la tête. La totale! Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien... ouh, mais qu'est-ce qu'elle est jolie celle-là. On a une figurine pop, c'est Gotenk de Dragon Ball Z. Regardez comment il est magnifique, avec ses petits cheveux noirs et violets là. Il aime bien celle-là, il aime bien les figurines de Dragon Ball Z. Ah, regardez, regardez ça. Hein? Ah, tu la connais pas celle-là? Regarde. Bon, eh bien écoutez, petite figurine de Dragon Ball Z, elle est plutôt cool, moi franchement je l'aime bien. Voilà, et on a un pin, si, c'est quoi? Oh, mais attendez, mais j'ai comme l'impression que c'est le masque du film The Mask, justement. Bon, on va mettre ça de côté, on a une photo. D'accord, Sonic, Studio Police, regardez. Ah, oh, bah mon vieux, je m'enrhume. Non, franchement, ça va, elle est cool, j'aime bien. Alors, oh, qu'est-ce qu'il est joli. Eh ben à tes souhaits, mon vieux. On va tenter une nouvelle technique pour mettre celui-là. Attention, vous êtes prêts? Regardez, c'est parti! Hop là! Gérard Majax a encore frappé, mon vieux. Eh ouais! Alors, regardez, il me va comme un gant en plus. Il est vraiment stylé, je sais pas ce que vous en pensez. Avec ma petite écharpe d'Harry Potter et ma casquette Pokémon, là. J'ai la totale, mon vieux. On a du Jurassic Park, du X-Men, du Harry Potter, du Pokémon. Il y a du Dr. Wu, du Dragon Ball Z, du Sonic, il y a tout, mon vieux. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Nasco, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu la trouves jolie, ma casquette? Ah bah, attendez, parce que si je mets le micro là, forcément... Est-ce que tu la trouves jolie, ma casquette? Dis quelque chose. Rien à foutre. Non? Bon, voilà, les gens, on a fini l'unboxing. On vous dit au revoir avec Nasco. Si vous avez apprécié, oubliez pas la petite patte bleue qui fait plaisir. Hein? Et puis, on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir, tout le monde. Bye, bye. Au revoir, qui dit au revoir. Au revoir les abonnés.